Bonjour, ici Nathan Islas en direct de la salle des fêtes de Sevran. Aujourd'hui, j'interroge le chanteur des Glubax, Dr Saturn. Tout petit déjà, planté devant ma télé, j'ai eu mon premier mois devant le cirque étoilé de la soirée Marina Carter. Tant de bonheur sous l'aigle d'or, la plus belle femme de la terre. Bonjour, aujourd'hui nous sommes en relation avec le chanteur des Glubax, Dr Strange. Non, Saturn. Oui, bonjour, nous sommes aujourd'hui en... Bonjour. Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec le chanteur des Glubax, Dr Saturn. Bonjour, Dr Saturn. Eh bien, bonjour. Donc, vous représentez aujourd'hui les Glubax. Oui, actuellement, je faisais un tour de chauffe pour tester l'acoustique de la salle. Pour ça, on a amené notre groupie qui nous suit partout, bizarrement. C'est pas dur de faire une tournée mondiale en une journée? On a voulu compacter le temps, faire que tous les gens puissent nous suivre à travers le monde, c'est-à-dire à Sevran, le 21 juin à 16h15 ou 30, et à 19h30 à Magny-le-Hongre dans 77. Parce que Glubax, c'est aussi... Glubax le... Tu disais, Glubax, c'est aussi Glubax le... Glubax. Nous sommes un groupe qui monte le public, et comme vous voyez, le public va venir nombreux. Voilà, et... Bonjour. Voilà. Moi, j'ai envie de vous poser une question, vous, le docteur Saturn, le leader des Glubax, j'ai entendu dire. Je sais que vous avez des fans au Japon, et j'ai entendu dire que, normalement, tout le Japon devrait venir ici, à la salle des fêtes de Sevran. Et j'aimerais savoir si vous allez chanter en japonais. Et oui, en effet, tous les Japonais vont venir au concert de Glubax. Glubax, parce que là-bas, Glubax signifie, Glubax signifie Dieu. Alors, je tiens à dire que tous les sièges que vous voyez là seront occupés par des Japonais. Les habitants de Sevran devront venir se trouver de la place entre... Parce que Glubax, c'est... Glubax aussi... Je vois quand même que vous avez beaucoup de fans. Les Glubax ont vraiment Glubax beaucoup de public. Et c'est énorme, quoi. On sent vraiment l'émotion dans ce public-là qui vous suit partout. Je veux dire que Glubax, Glubax a un nombre de fans qui est quand même peut-être parfois limité, mais ce sont des fans bien motivés. Par exemple, quand je dis Glubax... Glubax, personnellement, il y a beaucoup de groupes qui aimeraient avoir la même chose, comme voilà. Un gros succès. Quoi. Alors, moi j'ai une deuxième question qui me vient comme ça. Je crois qu'on peut vraiment dire que c'est l'album de la maturité. Oui. Bah écoutez, je crois qu'on était en direct avec Dr Saturn de Glubax. Et bien entendu, ses nombreux fans. Et d'ailleurs, je crois que vous allez nous interpréter un dernier petite chanson pour nous montrer un petit extrait de ce futur concert qui va avoir lieu. Je crois qu'on peut vous laisser. Non, mais c'est pas, tout seul avec eux. T'as signé le cachet, c'est bon? Ouais, t'inquiète pas. Alors. Pour finir, c'est le prochain morceau de Glubax s'intitule... Glubax s'intitule... Angela. Glubax wow. Angela. Angela. Où es-tu, Angela? Où es-tu, Angela? Ah oui, touche-moi, Angela. Voilà, nous étions en direct avec le leader des Glubax, Dr Saturn, en espérant que le concert se passe bien.